Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Pnarfank pour une nouvelle série. Ça sera une série PUBG, PUBG défi. Parce que PUBG normal c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Moi j'en ai marre de finir des top 1. J'aime bien mettre des malus. Et donc mon premier malus c'est que je joue avec Fox Die. Bonjour Fox Die. Salut à tous, c'est pas un malus, c'est un bonus. Voilà, donc là c'est toi qui as choisi le premier défi, donc qui est, sauf erreur de ma part, le défi pas de porte. Alors pas interagir avec les portes, c'est-à-dire on n'a pas le droit de les ouvrir, on n'a pas le droit de les fermer. Aucune porte. Voilà, donc du coup on a forcément exclu Sanok du pool, puisque... Il applaudit. Oh, il applaudit, c'est trop mignon. Ah, j'ai le petit t-shirt Sanok, putain. Alors, je te rappelle que si tu ouvres une porte par ah oui, alors c'est quoi la punition? La punition, c'est que ton arme principale, tu la lâches. D'accord. J'abandonne l'arme principale. Ouais. Est-ce que ça te dit de faire Yasnava pour Liana? Vas-y, écoute. Vas-y, je sais plus comment on joue à ce jeu. Ah oui, on va se faire fumer. Ouais, mais non, faut éviter les trucs où on va s'emmerder avec des portes. Faut essayer d'éviter alors. Shooting range plutôt, non? Pas de porte à shooting range. Pas de porte. Mais non, vas-y, on saute. Vas-y, on saute. On saute Yasna? Ouais, allez, c'est parti, moi je vais sauter. C'est parti. Et je vais là où t'as mis ton point. Ouais. Oh là c'était là la surprise du chef. C'était la surprise du chef d'hésiter à aller. C'est incroyable. Il y a trop de monde, on va se faire fumer comme des lapins. Prêt pour le backdash? Tu voudrais backdash où? Là j'ai un garage à ma droite là. Paraît pas mal là. Une petite maisonnette avec des murs. Vas-y. Je vais tomber là-dessus. Ah tu peux même pas aller sur le toit. Ah si, faut que je tombe direct sur le toit justement, c'est ça la strat. La strat c'est de tomber sur le toit. Parce qu'après je peux descendre du toit par les rambardes. Alors que je pourrais pas passer dessus sans éclater la porte à grands coups de chargeur. Incroyable. Attention. Incroyable du cul. Le toit. Incroyable du cul et du QTE. Hop. Alors pas de porte, pas de porte, on n'ouvre pas les portes. Sinon je lâche mon arme principale, c'est valide. Mais viens pas au même endroit espèce de Jean-Michel touriste. C'est toi le touriste. Incroyable ça. Je suis ici pour rien, super. Il y a beaucoup de fenêtres barrées. Nice, j'ai pas fait ça pour rien. Ah ouais, ça va être chiant. Attends, je peux peut-être passer par là. Ouais. La petite lucarne. Chier. Alors bien sûr, on fera pas le malin du style. Ouais, mais actuellement, oh, putain. Il y a une porte, mon mortel. Eh, on peut les péter à la main les portes ou pas? Je crois pas. C'est mort. Ah putain, j'ai mon contrôleur branché là, c'est compliqué. Ah, il y a des bons trucs là, il y a un sac à dos. Il y a un sac à dos, pas de bons trucs. Bon. Merde, on fonctionne la zone. On descend sur ce hangar. Il y a pas de porte au hangar. Les portes, ça rase, c'est mort. Hein. Attends, j'ai pas un flingue. Attends, t'es sûr, il y a pas un truc là qui traîne dans la cour un truc, un machin là? Non, y'a rien. Ah, t'as pété la fenêtre ici. Ici c'est full barricade. Voilà. Ah. On peut peut-être arnaquer un truc par cette lucarne. Merde. Je peux pas arnaquer un truc. Mais tu crois vraiment entrer dans une petite lucarne comme ça? C'est vrai. Bref. Bah souvent les lucarnes des. Tu sais des. Des. Comment on s'appelle? Comment ça s'appelle? Des escaliers, tu sais, des petites maisons là. Petites maisons, elles ont des lucarnes un peu plus grandes, mais elles ont des lucarnes un peu en hauteur et tu peux passer à travers. Ah, c'est dommage, j'ai pas d'arme. J'ai tiré sur. Par contre, j'ai 3 cibles qui pourraient te filer, puisque t'es le seul à avoir un pistolet. Est-ce que tu veux une 3x? Yes, please. Ils sont partis. T'as une moto ici. Tiens, je te donne ça parce que je déteste ça. Désolé. Allez. Youpi, je suis trop balèze. J'ai un houlou. Je suis trop vénère. Attends, faut que j'aille ici. S'il y a un pistolet, faut que je le prenne. J'ai pas d'arme. Tu pourras pas passer, mec. C'est des petites lucarnes comme ça. Non, mais s'il y en a un sur la table.
Un bandage. Et ouais, bah du coup, c'est mort. Il y a quelque chose derrière. On va au village ou on va au hangar? Oh putain, sans la misère. Ah, bah, je te suis. Village. On dit que je suis. S'il y a des gens qui sont partis au shelter, ils vont être maintenant. Il y aura moyen de se looter ou il y aura moyen de mourir. Il y a une UAS pour nous. Un UAS, un Huas. Ok. Si on ouvre une porte, la principale on la perd. Ah, c'est déjà ouvert. Il va pas comme un détaré, c'est déjà ouvert. Ah, tu peux peut-être looter des petits flingues. Oh mec, j'ai une crowbar et une 6X. Je trouve vénère. J'ai le pied de biche pour ouvrir des mecs en deux. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Putain, ils ont pas ouvert les seuls endroits où je ne peux pas passer. Ouais, ouh, même là-haut, il y a casquettes. Des... Oh les chiens de la casse. T'as une arme, t'as un gun, ouais. Un petit gun, un shitty gun. J'arrive. Dans le pit. Oh nice. Shitty gun pourri, mais shitty gun quand même. Alors c'est mieux que le pied de biche. Enfin, c'est mieux que le pied de biche. C'est différent, mais... Ok, je vois du monde. Tu viens sur moi. À quelle distance, mec? Sur moi, derrière le muret. Ah, je les vois au loin là. Oula, il allait m'avoir. Ils ont pas l'air d'avoir de viseur, les gars. Mais saute! Eh, saute! Non, me dis pas que je peux pas passer par là non plus! Ma vie est horrible. Putain, je peux passer nulle part. Là, je peux passer. Gilet 3. Ils ont tué celui qui me tient. Gilet 3, mec. On discute ou pas? T'as des bandages? Du coup, je lâche. Ouais, et je lâche un gilet 2 à mes pieds. Passe par la lucarne. Ok. Bandages, tiens, je te lâche ça. Et les bandages. Et il y a un gilet 2 par terre. Dingue, je me bande. Ah, du coup, je prends la 3X. Celui qui me tirait dessus, il s'est fait tuer par quelqu'un d'autre qui est en est. Il est en est derrière. Enfin, il doit avoir bougé. Ça tire encore. On peut en profiter pour looter celui qui est derrière le muret. Il est derrière le muret, juste là. Juste là, t'as une caisse ici. Ah bah t'as une deuxième caisse. Je la vois la caisse. T'as une deuxième caisse. Y'a rien à péter dessus. D'accord. Ok, juste un carquois de la misère. Est-ce qu'ils ont laissé un truc? Ils ont rien laissé. Oh, si. J'ai menti, ils ont laissé. Bah je vais sur la caisse maintenant. Y'avait rien sur cette caisse. Non, une autre caisse, non. On peut se pencher sur le teco? Ah ouais. Ouais. Je me casse, y'a une M416. Non, une M16 ou une M416 et une Mini 14. Si tu veux Mini 14A. Bah ouais, ce sera toujours mieux que le petit pistolet là. Et derrière le petit muret, derrière ce muret, mais je crois que tu vas te faire dessus. Hop. M416, je prends. Je sais pas d'où il tient. Mini 14, je déteste, c'est de la merde. Putain, il m'a eu ce connard. Tellement de recul avec cette arme. Derrière l'arme. Ah oui, du coup, c'est toi qui as mes balles. Ah. Derrière l'arme en 95. Derrière l'arbre, 3,95. Pourquoi je vois rien? Mais ma vie est dégueulasse! Je vois rien! Oh, c'est murette, c'est mort! Il est où ce con? Il est proche, hein! J'annonce, il est proche! Je fais un game shot! Putain, j'ai rien! Ouais, j'ai du soin sur moi! Si tu veux savoir. Bah ouais, mais t'es pas dans le coin, mec.
Ok, il y a deux teams en fait. Le truc c'est que je peux vraiment juste pas du tout aller sur toi quoi. Un super medkit sur moi. Oh, putain, arrête de me vendre du rêve comme ça. Bon bah café hein. Ouais je vais faire une game planquée. Ah dans 45 minutes. À tout et à l'heure. Espérer qu'ils sont partis. Il va falloir. Donc t'es mort derrière le mur là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ici, exactement. L'un des corps. Bon bah, je suis mort. C'est pas parti. Ah, il campait! Campait un peu plus haut, mais ouais. Il campait. Bon bah, je pouvais pas faire autrement. Moi j'ai visé pas de bandage, pas de soins. Terrible. Ouais. Terrible. Puis alors là, pour le coup, j'avoue, on est vraiment tombé dans un coin, on peut passer par aucune fenêtre. Toutes les fenêtres, sinon il y a des barreaux. C'est bizarre. Les connards qui ont fouillé dedans, ils ont ouvert toutes les pièces où il y a des fenêtres, mais ils n'ont pas ouvert une seule pièce où on peut pas passer. C'était horrible. C'était horrible. Moi je suis un peu vénère, j'aurais pu mettre une tête, mais je l'ai raté. C'est dommage, mais après il m'a tué. Ok. Bon bah des bisous à ton tube. Des bisous. Ciao.